Chers amis, bonsoir. 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 Vous êtes venus de la part d'un ami à moi. C'est ça. Vous avez une petite dédicace à lui faire passer? À Ludwig? Oui. Il aurait dû mettre un joli t-shirt rose la dernière fois, la vidéo avec toi. Il sait de quoi je parle. Ouais, il a pas honte, il a su. Ouais? Ouais, bah c'est son genre. T'as rien à... Ouais, exactement. C'est ce que je voulais dédicace. Que tu lui... Bon, c'est la pub pour Absolute PC en même temps, on en profite. Non mais bien, bah attends, laisse-moi au moins filmer, attends, avant de te jeter comme ça sur le truc. Tu veux une dédicace? Non, je veux que tu... une petite dédicace à Ludwig. Ah, oh, c'est dur pour lui. Pour un truc pervers. Ouais, bah parce que c'est quelqu'un de très pervers. Avec des déviances. Ouais, c'est ça. Des déviances sexuelles, ouais. Il est ouvert, on va dire, de ce côté-là. Parce qu'en fait, les amis, si vous avez regardé ma vidéo chez Absolute PC, c'est Ludwig qui me monte mes PC. Et ce sont ses amis. T'as raconté la CG qui a brûlé? Elle nous en a parlé vaguement. Hein. Moi aussi j'en ai parlé. Ah voilà. Ouais. C'était beau, c'était bien. Mais ça arrive qu'à toi? Ça arrive pas qu'à moi. Non, ouais, non, ne mens pas. Mais t'as pas de chance. Ouais. Je sais que j'ai pas de chance, j'ai jamais dit que j'en avais. Bon après, vous avez été très professionnel. Il faut. Le soir même. Ah, tac, ouais. Tac. Donc Ludwig. Est-ce que Ludwig il t'aime bien? Bah il a intérêt. Hein. Non, en tout cas c'est parti les amis. Alors déjà, je suis fan de la couleur, je suis fan de la caisse, je t'écoute. Alors voilà, bah c'est une Ford Focus RS, et dernière, la MK3. Et ouais, bah moi aussi, je voulais une qui change un peu, qui sorte un peu du lot, quoi, la ouais. Couleur, tout. Donc en bleu, j'aimais bien, j'ai eu une Mégane RS avant, une 3 RS, ouais. En trophile, elle est en phase 2, elle était jaune, pareil, j'aimais les couleurs un peu... Qui sort du lot, ça, voilà. D'accord. Avant, j'ai une Clio RS, les rangées démons, je sais pas si tu vois. Non, c'est quoi? C'est les Clio 3 RS, elle était couleur gris mat. D'accord. Voilà, j'ai eu ça et j'ai commencé avec une Clio GT avant quoi. D'accord. Et en tout premier, un Suzuki Santana, je sais pas si tu vois ce que ah, c'est. Ah, je vois très 4x4. Bien. Est-ce ça, que c'était bien? Impeccable, c'est le top. C'est les meilleures voitures, ça. Ça grimpe partout ou pas? Partout. C'est incroyable, ça va partout. D'accord. C'est le top. Et là aujourd'hui, donc ça fait combien de temps que tu l'as celle-ci? 2017. Est-ce que après 2 ans, t'as toujours le même plaisir de la conduire? Ouais, parce que je m'en sers pas tous les jours. Donc, d'accord, ok. Voilà. Mais ouais, à chaque fois qu'on la reprend, ouais, c'est un plaisir. Ça marche bien. C'est tu la prends quoi, une fois toutes les semaines, un truc comme ouais, ça voilà, c'est, ouais, c'est la voiture de plaisir. Ouais. D'accord. Et sachez les amis que j'ai failli en acheter une comme ça. Hein. Au moment où j'ai acheté la Civic, vous vous rappelez, il y a ça un an à peu près, bah, j'hésitais entre ça et la Civic, donc j'ai pris la Civic quand même. Mais c'est vrai que je devais la prendre exactement dans cette configuration là. Je trouve que c'est une très très belle voiture. Franchement, puis ça marche bien. Elle est d'origine du coup? Tout d'origine, ouais. Tout d'origine? Ouais. D'accord. T'es pas le genre de mec un peu à faire un peu de flaming ou? Non, pas trop, non. Si, non même les reproc tout, non. C'est pas ton délire? Non, si je veux plus puissant, je change quoi. D'accord, ok. Tu même préfères rester dans... Voilà, je passe à la Mégane celle-là et après... Tu préfères rester dans l'origine quoi? Voilà, ouais. Ok. Pour la revendre tout, je trouve que c'est mieux et puis même, voilà. Je t'as raison. Qu'est-ce que tu en dis? Bah moi j'ai toujours aimé, même principe, tu veux plus puissant, t'achètes plus puissant, il y a toujours ouais. Plus puissant sur le marché, t'en sais quelque chose. J'en sais aussi quelque chose. Après il y a des modifs sympas, plutôt Huning, esthétiques. Voilà. Ouais. Le Huning c'est toujours sympa, juste pour bien son sûr. Plaisir perso on va bien dire. Sûr. Mais sans forcément dénaturer la voiture. D'accord, ok. Voilà. Bon bah écoute, je vais la montrer puis on va aller faire l'essai tranquille. Donc ouais, le bleu est dingue. Avec les touches de noir que vous avez, donc c'est du noir mat hein, au niveau des jantes les amis. Tout ça on le rappelle est d'origine. Je trouve que c'est une voiture qui est géniale. Alors on la filme de nuit, donc sachez que la journée c'est un truc de ouf quoi. La journée la couleur est ouf. Et la nuit même ça rend super bien. Je suis totalement fan de cette voiture. Les points négatifs que tu aurais à dire après 2 ans quand même d'utilisation, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas grand chose. Le réservoir qui est un peu petit, mais d'accord. Je crois que ça doit être les nouvelles normes, c'est comme ça quoi. Ouais. Et sinon non, après le coffre, ouais. Pas très grand, mais vu qu'il y a les 4 roues motrices, ça prend de la place forcément. Bien sûr. Et non, après franchement, j'ai rien à dire. Pour le prix, elle est bien équipée. Combien ça t'a coûté ça à la base? 41. 41, tu l'as pris neuve la voiture? Ouais, neuve en d'accord. Concession. Neuve en concession, moins 41. Cher que la Mégane RS. Moins cher évidemment que la Mégane ouais, RS. Et au niveau de la carte grise, combien t'avais payé à l'époque?
Alors la carte grise, elle est à... j'ai 23 chevaux au fiscal, donc ouais. Après tu rajoutes avec les... selon les départements. Et il y avait un malus normalement de quasi 6000, je crois. 6000, ouais. 6500. C'est ouf. Ça. Déjà à l'époque, c'était, voilà. C'était compliqué. Octobre 2017, c'est pas vieux, hein. Et je crois que maintenant, c'est, ouais. C'est impossible, quoi. Enfin, impossible. C'est en train de tuer l'automobile, voilà, malheureusement. Quoi. Écoute, mais ça reste évidemment un plaisir. Et puis, bah, voilà. J'ai mis une grille devant, tu sais. Ouais. Pour faire un peu plus agressif. Et sinon, t'avais cette grosse barre derrière, là. Je crois que ça dénature un peu la voiture. J'ai juste mis ça pour faire une plus grosse face avant. Pour ouvrir, ouais, pour ouvrir la bouche, ouais. Voilà. J'ai pris avec les options les jantes forgées. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai pris dessus. D'accord. Ouais, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que l'avant lui donne, comme ça, avec toute la grille, ça lui donne un avant de ouf. Ça peut être une bonne idée d'ailleurs, s'il y a certains viewers qui ont la même voiture, ça peut être une bonne idée. Très bien. Donc on va aller. Oh salut. On était en train de te défoncer dans la vie. Ils t'ont défoncé. Non. Dis bonjour à Kram. Oh, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ils t'ont déchiré. Comment? Ils t'ont... Et c'est tes amis? Il paraît. Alors. Salut Ludwig. Coucou. Je savais pas que c'était le bordel comme ça, c'est comme ça à chaque fois? C'est comme ça, ouais, tous les week-ends. Faut quoi faire? Comment? Faut quoi faire? Ils t'attendent, ils te... Non, ils viennent montrer leur voiture. Ah, c'est le gros tournage alors. Très bien. Vous en êtes où? T'as quelque chose à lui dire maintenant qu'il est là? Plus grand chose, non, ça va. C'est un beau copain, Ludwig, sympa, chic type. Vous avez parlé camion? Il viendra présenter sa moto bientôt. Non. Il est devenu grand, il a quitté le monde des scooters. J'ai vendu ton T-Max il y a une heure. Ça te fait plaisir? Oui, d'ailleurs, petit Nicolas qui te suit, tout ça, il est très content d'avoir acheté ton ancien T-Max. D'accord, voilà. Parce qu'en fait, j'avais un T-Max que j'ai vendu à Ludwig, Ludwig est roulé avec, et puis il l'a revendu. C'est Kylian. Donc tu viens de vendre un truc à quelqu'un, et tu sais même plus son nom, en fait. Non, ça non, montre bien ton professionnalisme. J'ai envie de pisser, Bah vas-y, hein, c'est pas comme s'il n'y avait pas de la place ici. J'ai envie de pisser dans les classes bleues du Monopoly. Donc il faut... Voilà. Pas besoin de... Tu te rappelles de lui, tu sais qui c'est, hein, tout ça, t'as compris? C'est très bien, oui. Voilà. Ah. Bonjour, Absolute PC, enchanté. Vous voulez un PC? Vous voulez une carte graphique? Oui. Je peux même trois. Trois cartes graphiques. Voilà. Comment tu fais pour... Je les vois pas souvent, ça va. Ouais, sinon ça serait compliqué. Ouais, voilà. T'y arriverais pas, tu penses, tous les jours? Ouais, on s'habitue. Ouais. On s'habitue, ça va. Moi, j'y arrive pas. Ah. J'essaye, hein. Tu les côtoies pas assez, c'est pour ça. Oh, si, je le côtoie comme il faut. Ah ouais? Comment tu fais tous les jours? On n'écoute plus au bout d'un moment. C'est, ouais. Tu vois, comme Tan, comme notre collègue, ça passe au-dessus. C'est... Non. C'est tu retiens parce qu'en vrai, là, vous avez passé un quart d'heure à me démonter avant la bande de pédales. Moi, j'ai rien dit. Hein. On va faire le tour, s'il te plaît. Allez, si tu ah. Tu vas pouvoir aller pisser. Mais où? Mais attends, mais regarde. C'est genre, toujours, j'y vais. T'en mets nourri là-bas et voilà. Ah non, j'en peux plus là. Les amis. Quelle drôle d'époque. On est mieux tranquille là. Au calme, il y a moins. T'as de... vu? On est mieux tranquille. On est bien, ça fait plaisir. Alors moi j'ai toujours kiffé hein, les manos qui sont là, je trouve ça stylé. Ouais, c'est fort. Je vais me permettre juste de baisser ouais, le son, sûr, hop, comme ça on est tranquille. Je peux allumer, ça te gêne ouais, pas? Vas-y, fais comme tu veux. Parce que j'ai... Attends, on a une. Tu peux, s'il te plaît? Ouais, cool. Parce que en fait, j'ai Alex qui est là-bas, qui normalement m'épaule. Il est pas là. Si, si, il est là, mais il parle avec des gens, donc... Ok. Donc il s'en fout. On va aller tout droit, s'il te plaît. Voilà. Alex, que vous pouvez remarquer... Ça va, frérot? Oh, c'est bon ouais. Bonjour. Alors, je tiens juste à dire une chose. Ce qui se passe actuellement ici, ça nous implique pas, mais est-ce que tu l'as déjà dit? Non. Non? Voilà, en fait, c'est pas nous qui organisons cela. Nous, on fait juste les tournages. On invite juste la personne qui vient filmer, qui, vous le voyez, est très poli et généreux. Bonjour. Et voilà. En fait, la vraie raison, c'est qu'il y a un flic qui a envie de défoncer Alex parce qu'il est persuadé. Parce qu'il faut arrêter de se mentir, il est persuadé qu'en fait les rassemblements au Petit Palais, c'est Alex qui les fait. Donc voilà. Honnêtement, non. Nous, on filme ici depuis 2 ans maintenant. Les gens qui font des rassemblements, qui viennent, ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas nous qui disons, venez, faites ce rassemblement, etc. Après, on peut pas empêcher les gens de venir. Ils viennent pour nous rencontrer aussi, ça leur fait plaisir. Mais en aucun cas, on a quelque chose à voir, entre guillemets, avec les rassemblements du vendredi et du samedi ici.
Donc ça, on voulait le dire. Maintenant, il faut se mettre à notre place. Ça nous fait énormément plaisir parce qu'on peut rencontrer une partie de notre communauté qui vient nous dire bonjour, assister au tournage, etc. Mais voilà, nous, c'est toujours comme ça. Ça se passe comme ça. La personne vient, etc. Et pourquoi c'est ici? Parce qu'on est au centre de Paris et c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Exactement. Tu viens ou tu te branles? Je monte. Comme tu vois, je suis bien entouré aussi. Voilà. Ah, bah tu vois. Bonne équipe. Tout droit, s'il te plaît. T'es mieux ici, Alex? T'es pilouze au calme? Ah, au chaud. Ça va, je suis au chaud. Ouais, bah j'avais chaud. Je suis réchauffé là. La route, ça a été. T'as fait Bruxelles-Paris en combien de temps, Alex? Porte à porte, genre porte à porte de l'hôtel à ici, Pipalet, 2h30. Propre quand même. C'est bien. Ouais, c'est propre. Combien de disais waouh au début? En gros, je crois que j'ai gagné 40 minutes sur WA. C'est bien. 40 minutes de gagner sur un trajet. C'est beau. C'est pas mal, ouais. C'est sur 300 km, c'est bien. Avec une saucisse, c'est pas mal. Alex, qu'est-ce que t'en penses alors de cette voiture? Alors, la Focus RS, déjà, non de bleu, parce que c'est celle-là, hein, en fait. Ouais. Non, mais je veux dire, t'as compris ou pas? De quoi? Non de bleu. Ah merde, c'est vrai. Putain, la blague. C'est ça. Ah ouais. Oui, t'as vu? Ouais. Voilà. Il faut savoir qu'Alex, est-ce que tu peux raconter ta petite histoire, Alex, avec cette voiture? Alors, cette Focus RS, j'aime beaucoup, j'en ai essayé une en Suisse. Et il s'est avéré que je me suis fait balancer par quelqu'un de la Suisse. Lors de l'essai, on voit une certaine vitesse sur le compteur et je me suis fait balancer, donc j'ai été convoqué par la police. Qu'est-ce que t'en penses des balances? C'est la merde, ça. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs. Faut se méfier, tu peux rien faire maintenant, c'est fini. Alors, c'est assez marrant parce qu'en Suisse, en fait, c'est interdit d'avoir Waze. Waze qui permet. Croyant, tout ça, ouais. Exactement, qui permet aux autres usagers de la route de balancer en gros sans la police. Par contre, c'est un pays de balance. Mais on peut pas balancer où est la police. Bah, bref. Faut savoir un moment où vous voulez faire. Donc imaginez le délire. Donc à un moment le mec Alex est en train de faire l'essai de la voiture. J'ai vu la vidéo, c'est sur une route de montagne. Il y a absolument personne, tout va bien. Le mec essaye une Focus RS. On voit à un moment donné parce que bah, l'abonné en question qui filmait, il a filmé le compteur. C'est pas de ta faute, hein. Rapidement, c'est pas de sa faute évidemment. Il y a quand même un gars qui a mis pause, qui a capturé, qui a envoyé un message à la police et la police a convoqué Alex. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état d'esprit de la personne en lui-même? C'est-à-dire, je vais être vulgaire, accrocher les ceintures, ranger les enfants. Il y a un moment donné, à quel moment tu te fais enculer concrètement? T'es une merde, t'es une saucisse. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu un message à dire à cette saucisse? Ah, c'est un enculé, c'est tout. Bien résumé. Voilà, c'est bien résumé. Donc sinon, mon cher Alex, que penses-tu de la Focus RS? La Focus RS, c'est une voiture de ouf, j'adore vraiment ça. Ça le son, la conduite, enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette voiture. Le seul truc un peu relou, c'est le joint de culasse. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas encore fait? Ouais, alors moi, il a été fait, j'ai été rappelé par Ford. Et ça s'est passé nickel. Hein. Donc, ils me l'avaient pris une journée, ils m'ont éprouvé la culasse sur une journée, là. Ils l'ont fait monter en température. Suite à ça, ils ont vu qu'il fallait changer la culasse complète. Et du coup, ils m'ont pris la voiture une journée, je crois. Et ils m'ont envoyé les vidéos au fur et à mesure de tout ce qu'ils faisaient. Après, ils l'ont gardé encore une autre journée pour faire des essais. Et nickel. Depuis, j'ai pas de problème. Magnifique. Bravo. Fait, j'avais 7000 km à peine. Donc, nickel. J'avais même pas les débuts des symptômes qui arrivaient en fait. D'accord. Donc, j'ai rien à dire là-dessus. Sur ce coup-là, ils ont été pros. Ah, carrément, ouais. Après les erreurs peuvent arriver mais ils ont rétabli ça donc ça c'est très bien. Y a pas de problème, on va partir sur la gauche s'il te plaît, donc comme la Clio qui est au fond là-bas. Non, franchement moi je trouve que c'est une voiture déjà pour avoir failli la prendre à un moment donné, je trouve que c'est une voiture qui est vraiment parfaite, qui s'adapte à tout et puis c'est super radical. Je sais pas si je t'ai posé la question et que tu m'as répondu parce que Ludwig est arrivé à ce moment là mais les points négatifs de la voiture. Ouais, donc je te disais, bah, y avait le réservoir qui était petit. Ouais, ça tu me l'as dit. Le coffre. Ouais. Et non, on va se prendre à gauche s'il te plaît. Et après, non, j'en ai pas trop trouvé quoi. C'est un peu raide, c'est plus raide que la Mégane RS que j'avais. D'accord. Ça se rapproche plus du châssis de la Clio RS que j'avais en châssis cup, je sais pas si tu vois. Oui. Plus raide. Sûr. Donc là, voilà. D'origine, elle est déjà assez raide, je trouve. Oui. Bon, après, c'est une sportive, donc voilà. Mais non, sinon, non, j'ai rien à dire. Et les vrais points positifs de la voiture? Ah, c'est agréable, elle a de la puissance, puissance et du couple. Ouais. Elle est. Pour moi, j'habite en montagne et tout, c'est un plaisir. Tu peux faire de la ville, ça va, elle est pas trop brute, la boîte, ça va. Non, franchement, c'est le bon compromis, je trouve. C'est un très bon compromis, surtout, je trouve. Au niveau du budget, quoi, elle est pas. Ah oui, pour ce budget-là, ouais, c'est 9, hein, c'est très bien. On va suivre la Peugeot qui est là, s'il te plaît. Et on va partir tout droit. Non, honnêtement, ouais, c'est je trouve que c'est une très bonne voiture. Elle est bien équipée de base et tout. Bah, de base, franchement, il n'y a rien à redire. Hein. Tout est là, quoi. Tout est là, quoi. J'ai le petit. Comment dire, kit Sony. Ouais. Les haut-parleurs avec un petit caisson derrière. Donc ça gueule bien. Voilà, c'est ce qu'il faut quoi pour une voiture, on va dire. Après,
pour tous les jours, ça va très bien. Tu penses que tu vas la garder longtemps? Bah, encore peut-être. Je les garde pas, pas très longtemps, moi, les voitures, mais. Ouais. Si je la garde quand j'aurai gardé 4-5 ans, peut-être. Ouais. Ça sera déjà pas mal, je pense. 4-5 ans, c'est bien. Hein. Ouais, voilà, 4 ans en moyenne. Qu'est-ce qui te fait rêver là aujourd'hui en automobile? Ah, je serais bien attiré par une M3. Quelle année, quel modèle? Les dernières. Ouais, d'accord, ok. Voilà, j'aimerais pas, ça me plairait bien. Plus que au début, j'étais bien attiré par la M2. Ouais. Mais. Là, final, t'es plus dans le délire. Petit, en fait, enfin, petit, façon de parler, quoi. D'accord. Mais ouais, une M3, ça me plairait bien. Une M3, ça te plairait bien. Ouais. Ok. Bah écoute, quand t'auras ton M3, tu sais où repasser, ça fait plaisir, bien sûr. Pas de problème. Là, on va prendre tout droit pour entendre un peu ce petit moteur. Donc, on le rappelle, hein, tout est d'origine. Ouais, j'ai rien fait. Putain, les retours sont d'origine. Hein. Ah, c'est tout là, c'est tout d'origine. C'est ça qui est ouf. Franchement, ils ont fait une voiture qui est vraiment bien. Parce qu'on entend bien, le son est top. Et la conduite est bien, la boîte est courte. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle est assez courte. La boîte est bien, toi tu, elle te saoule pas? Non. D'accord. Pas non, plus franchement, que ça, vraiment pas. Non, franchement, ouais, c'est, moi je trouve ça très très bien. Je trouve que c'est une bonne voiture. Elle a tous les modes, tu sais, pour aller launch control, tout ce que tu veux, quoi. D'accord. Enfin, elle a des modes encore, je peux réduire la suspension. Ouais. J'ai les modes, bah, le mode drift, jamais trop essayé ça. Ouais. C'est un peu gadget, tu penses? Je sais pas. Mais toi, même en deuxième, les reprises, c'est. Ça tire tout le temps en fait, elle s'essouffle pas, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Non, mais c'est mon autre ressenti aussi. Et puis, même, on a de toute façon essayé cette voiture de nombreuses fois sur ma chaîne. Et c'est toujours un plaisir parce que, bah, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Hein. La Focus RS, de telle manière, il n'y a plus rien à dire maintenant dessus. Donc, franchement, c'est une très très bonne voiture, quoi. C'est parfait. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît. Ouais. Juste ici. Pour après reprendre le pont et rentrer tranquille. Est-ce que tu as un peu de réseaux sociaux, etc. ou non? À part Facebook, Instagram, mais j'y vais rarement. Ouais. Je publie pas grand chose. D'accord, mais en rapport avec la voiture Non, j'ai rien. Okay. D'accord, très bien. J'ai rien fait. Non. Bon, bah, on va dire que le réseau social, c'est Absolute PC. Voilà, c'est ça, ouais, Absolute PC. Qui sont venus, qui viennent, comme je l'ai dit, s'occuper de mes ordinateurs depuis quand même maintenant, bientôt, bien deux ans et demi, trois ans. Et donc ça fait plaisir. Et puis bah, c'est bon, petite accélération du Seigneur. Ah, ça marche, hein. Pour finir en beauté. Merci à toi d'être venu, en tout cas. Merci à toi. Franchement, c'est cool. Alex, le mot de la fin. Elle est ouf et elle pétarade bien. Alex, qu'est-ce que tu peux rappeler nos réseaux sociaux? Bien sûr, Akram Junior, Alpha Delta 06. Professional. Professional. Be professional. Enfin, dans le sens être, hein.